Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Je suis Pomme, du Roi Steven et de Dr. Watt, et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une série que j'aime profondément et dont je vais écorcher le nom, Coisa Mais Linda. Boa noite, senhoras e senhores. Foi do meu marido a ideia de abrir restaurante no Rio de Janeiro. Só que a minha parte foi de sugerir, coisa que meu marido achou muito ruim, que esse lugar tivesse música, música ao vivo. Sabe o que ele fez? Sumiu. C'est une série brésilienne Netflix, connue aussi sous les noms de Girls from Ipanema ou Most Beautiful Thing. Elle a actuellement 2 saisons à son actif et la saison 3 est programmée pour juin 2021. Ça fait 13 épisodes à l'heure actuelle. Dans les rôles principaux, on peut retrouver que des gens dont je vais également écorcher le nom, pardon par avance aux lusophones. Maria Casa de Vai, dans le rôle de Malou. Patty de Jesus, dans le rôle d'Adélia. Fernanda Vasconcelos, qui joue Ligia. Mel Lisboa, qui joue Teresa. Leandro Lima, dans le rôle de Chico. Icaro Silva, dans le rôle de Cap. Gustavo Vaz, dans le rôle d'Augusto. Alexandre Surletti joue Nelson et Gustavo Machado qui joue Roberto. Il y a bien d'autres acteurs, mais je ne peux pas citer tout le monde. La série a été créée par Giuliano Cedroni et Isa Ross, oui, je prononce aussi mal le portugais que l'anglais, et a été réalisée par Kaito Ortiz, Hugo Prata et Julia Resende. La BO a été composée pour la série par Joao Herbeta et l'album de la saison 1 est disponible sur Spotify et Deezer et personnellement, ça accompagne beaucoup de mes journées en ce moment. Mais alors de quoi ça parle? Eh bien c'est l'histoire de meufs qui veulent à leur manière, à leur niveau, selon leur problématique principale, sortir de la place que la société brésilienne de la fin des années 50 leur réserve. On suit l'histoire de Maria Luisa, femme de bonne famille, fraîchement arrivée à Rio de Janeiro pour monter un restaurant avec son mari. Tout bascule lorsqu'elle se rend compte qu'il s'est barré en ne lui laissant aucun argent. Après avoir touché le fond, au lieu de retourner à Sao Paulo pour vivre avec son fils sous la protection financière de son père, elle décide de se relever et de démarrer une nouvelle vie. Elle fera la connaissance d'Adélia, une femme de chambre noire habitante de la favela et déterre comme jamais à ce que sa jeune sœur et sa fille ne vivent pas la même vie qu'elle entre racisme et travail acharné au service des riches familles blanches. Dans ce défi, elle sera également épaulée par Ligia, son amie d'enfance, une chanteuse à la voix merveilleuse dont les rêves artistiques sont fortement, voire violemment réprimés par Augusto, son mari machiste et politicien conservateur. Et par la belle-sœur de Ligia, Teresa, une journaliste très engagée dans les luttes féministes et qui aimerait que son travail soit reconnu et pas seulement cantonné au conseil stylistique pour les femmes. Elle est soutenue par son mari dans ses combats et elle entretient avec lui une relation libre ayant, comme lui, des amants et des amantes. L'histoire ne serait rien sans le beau Chico, un artiste incompris et bourré de talent. Il fait découvrir la bossa nova, alors en pleine émergence à Malou, c'est comme ça que Maria Luisa se fait appeler maintenant. Elle tombe follement amoureuse de cette musique, entre autres, et se jette dedans passionnément. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le résumé, la série n'est pas que légère. Elle l'est parfois, la musique est envoûtante, les images font voyager, la détermination de ces femmes fait rêver et donne envie de se lever, d'aller cramer des trucs, ou en tout cas d'ouvrir des clubs de musique. Mais les sujets abordés sont sérieux. Outre la place des femmes dans cette société, le racisme, le paternalisme, il est aussi question de grossesse accidentelle, de fausses couches, de fertilité des femmes, d'avortement, de viol conjugal et de violence conjugale. On pourrait parfois, au cours de la série, se dire qu'il n'y a que dans une série qu'il puisse arriver autant de choses à un si petit groupe de femmes, mais finalement, ça rappelle aussi que ce sont des sujets tabous qui sont beaucoup plus courants que ce que l'on pourrait penser. Alors je viens de vous placer le décor, et je ne vous en dirai pas beaucoup plus, si ce n'est que la saison 1 est plutôt centrée sur Malou, alors que la saison 2 met en avant les histoires individuelles de chacune des protagonistes. Il y a bien évidemment des hommes qui gravitent dans cet univers, mais aucun ne prend le premier rôle. J'ai sincèrement aimé passer du temps avec ces personnages, j'ai ri, j'ai rêvé, j'ai ragé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avec elles, j'ai eu envie de danser et de voyager. Et évidemment, la VO, en portugais, donc, a beaucoup contribué à tout ça. Allez voir Coisa Mais Linda et n'hésitez pas à venir me trouver sur les réseaux sociaux pour en discuter ou sur le Discord de Podcut. Et vivement juin 2021. Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez découvrir les 24 autres podcasts du label sur le site podcut.studio. Vous pouvez également nous aider en participant au Patreon, le lien est en description. Merci à Zu de m'avoir laissé le micro et à bientôt. Je viens aqui pour vivre.